Y aura-t-il sur ce terrain à Loutchane un centre commercial de 43 000 m2? Début de réponse demain avec la présentation du projet devant la CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial. Dans cette commission figurent 11 membres, 7 élus et 4 personnalités qualifiées qui sont désignées par le préfet de Haute-Corse. Parmi les élus, les maires de Loutchane, Fouriani et Bastia, Pierre Savé y a d'ores et déjà fait savoir qu'il s'opposerait à ce projet. Autres élus assiégés, François Tati, le président de la CAB, et Anne-Marie Nadal, présidente de l'intercommunalité Maranagol. Un élu de la majorité de l'Assemblée de Corse et un de l'exécutif ont également droit de vote. Opposé au projet, la majorité territoriale est partie prenante du collectif. Le STC a emboîté le pas ce matin. Nous, ce qui nous inquiète, c'est que c'est aux antipodes de notre choix de société, qu'aujourd'hui, il y a suffisamment dans le département de la Haute-Corse, dans les territoires de la Haute-Corse, de surface commerciale, et qu'on n'a pas besoin de créer des géants, des mastodontes, des projets pharaoniques, puisqu'en plus, lorsque ces projets sont présentés, ils ne sont pas ni dans les centres-villes, ils ne sont pas dans des régions qui sont urbanisées. À l'origine de ce projet, la société Fanti Promotion. Sylvain Fanti avait été candidat d'hiver droite à l'élection municipale de Bastia en 2014, puis aux dernières élections territoriales. Après son audition demain, les 11 membres de la commission devront tous voter à main levée. La décision prononcée pourra faire l'objet d'appel, d'abord devant la Commission nationale d'aménagement commercial et en dernier lieu devant la Cour d'appel administrative. En cas de recours, il faudra attendre plusieurs mois avant une décision définitive. Thank you.